Salut à tous, je vous salue. On se retrouve pour notre suivi du petit tuto. Donc, on était resté à la couche numéro 11. On va donc attaquer la couche numéro 12. Alors que je me repère, donc ici, vous faites un L, vous en mettez 2. 1, 2, 3, 4. L'autre côté, on va faire pareil. 1, 2. 1, 2, 3 et 4. Là. Les deux comme ça. Ici, on remet exactement par-dessus. Voilà. Ok pour tout le monde. Là, c'est 7. 2, 3, 4, 5, 7. Alors, on arrive pile poil. Donc, les repères sont assez simples. Voilà. Bah, exactement pareil. Mais on va le coller le premier. Ici, ce sera 2. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Oups. Là, on va en mettre 2. Ici un seul. Et là, alors attendez que je me mette bien comme il faut. On va faire une espèce de L. Et on va en faire un deuxième. Là, on va prendre le premier, on va en mettre deux. Là, deux aussi. Et ici, on va en mettre trois. 1, 2, 3. L'autre côté, ça sera pas. Ah, attendez. Oui, si, c'est ça. L'autre côté, 1, 2, 3. Et au milieu, on va combler entre les deux. Voilà, comme ça. Donc là, pareil que l'autre côté, ça sera 2. Encore 2. Là, on va faire deux espèces de L. Voilà, comme ça. On va en mettre un seul. Ici, ça sera 2. Et là, ça va être 7, je crois. 1, 4, 5, 6, 7 et 8. C'était 8. Alors, ici, on en mettra 2. Un comme ça, donc deux, pardon, deux comme ça. Là, vous en mettez trois. À coller, vous en mettez encore trois. Et voilà, on est arrivé, nous avons fini la deuxième couche. Bon, j'espère que tout le monde a bien suivi. Alors, on va partir d'ici. Alors, deux là, là, vous en mettez 3. Là, vous en mettez 2. Là, vous en mettez 3. Et ici, bah, vous rassemblez les deux. Voilà. Donc ici, il faut en mettre 3. Côté, non, je l'ai pas encore mis. L'autre côté, c'est pareil. Vraiment, vous faites un côté, l'autre côté c'est exactement le même, quasiment. Alors là, ça doit être 1, 2, 3, 4.
6, 7. Waouh. Je suis peut-être trop loin pour les mettre. Peut-être pour ça que ça fait ça. Voilà, 7. Donc vous en laissez un. Et là, vous en mettez 3. Donc il y en a un qui est derrière qui va rester. Là, ça sera 2. Là, ici, 2. Là, ici, 1. Oui. Là. 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, ça sera 1. Là, vous en mettez 2. Comme ça, dans ce sens-là. Je vais mettre le jour avant que vous ne voyez plus rien du tout. Voilà. Donc reprenons ici. Donc on a mis 2 là. Ça sera 1, 2, 3. Et vous refermez. Là au-dessus, vous en mettez 2 comme ça. Ensuite, vous en mettez 3. 1, 2, 3. Là, ça sera 2. Et là, vous en décalez 2. 1, 2. Pareil de l'autre côté, donc là vous en décalez 2, comme ça vous rejoignez les 2, voilà, comme ça. Donc là vous en mettez 2 à partir d'ici, voilà, 2, 2, 2, là c'est 3, là ça sera 2. Ça sera 2 et 1, 2, 3. Là, vous en mettez 2. Ici, 1 pour boucher. Et vous en mettez tout du long jusqu'ici. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et c'est ici, sur le dernier du bas. Il faut le mettre. Il ne faut pas se tromper là. Là, vous en mettez 2. Ah, oups. 1, 2, 3. Et ici, vous tirez toute la longueur. Oui. Il y a quand même un blême. Là, j'ai fait une erreur. J'en ai loupé un. Donc là c'est 2, après 2, et ici 3. Et là normalement on devrait tomber exactement comme il faut. Voilà pour la couche numéro 12. Ah, alors la 13, ça va se compliquer un petit peu. On va commencer par là. Donc vous allez mettre 2 ici, 1 là. Et ici vous en mettez 3. 1, 2, 3. Là il en faudra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là je ferai en mettre 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 1, mettez les 2, et là, 3, alors, je vais prendre une autre couleur, vous allez voir pourquoi, ici,
Alors, à partir d'ici, donc au deuxième, vous en mettez 8. Deux comme ça. Et vous allez tirer 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous doublez de 2 ici. Alors j'espère que c'est bien ça, parce que si c'est pas ça. Si, si, c'est bon. C'est ça. Ah, ça, on peut l'enlever. Ça fait bizarre, hein? Vous allez voir, tout va se rejoindre après. Faut pas se tromper, faut bien partir de celui-ci, vous en comptez 8 et vous tombez là-dessus et après vous faites donc on va faire pareil de l'autre côté. Alors, où est-ce que je vais le prendre? On va reprendre pareil, le même repère. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, on va mettre 2. On va faire exactement pareil, mais un peu inversé. Voilà, laissez-moi vérifier. Pas fait de bêtises. Normalement, ça devrait être ça. De toute façon, si c'est pas ça, on va s'apercevoir quand on va grimper. Alors, hop, 3 ici, là vous en mettez 1 ici, hop, là vous en mettez 2, là il y en a 1, 2, 3, 4, alors 4, là il faudra en mettre 2, et ici 1, 2, 3, là ça sera 2, et là 2 aussi. 5, 6 et 7. Donc là, vous en mettez un de plus. Donc il y en a 7. Alors ici, vous en mettez un tout seul. Espace, vous en mettez deux comme ça. Et là, on ferme. Ça fera 3 au total pour fermer jusqu'ici. Là, on va partir d'ici. 1, 2, 3 et 4. Vous en mettez 4. Là, on en met 2. Toujours avec un décalé. Hop. Ici. On va faire pareil, un décalé, et au fond, vous rejoignez les deux bouts. Voilà, comme ça. C'est ça. Donc là, on va repartir sur 4, 2. Hop là, ça sera 3. 4 et 5. Là, vous en mettez 5. Et pareil, 1, 2. Là, il faudra en mettre un tout petit dans le coin. Et là, je crois que c'était 7, hein, tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Là, on en met 2. Encore 2. Là, ça sera 3. Et là, 2. Là, vous en mettez 1, 2, 3, 4, 5. Un comme ça. Et un comme ça. Et nous avons fini notre 13e. Notre 13e couche.
Et ben, ça sera tout pour ce petit tutoriel. Je vous dis à la prochaine, où on va commencer à rentrer, à commencer à avoir une forme, pardon. C'est vrai que là, ça ressemble pas à grand-chose. Ne vous inquiétez pas, l'arrivée est pas mal. Là. Allez, portez-vous bien. À très bientôt.